La fois que j'ai rencontré Quincy Jones, j'avais 14 ans et je chantais pour lui chez lui, sa maison. Et après ça, on a juste commencé à travailler ensemble et il a fait l'exec produce, ma dernière album qui s'appelle Little Secret. Alors toujours dans l'été, j'aime bien avec lui et faire des tournées d'Europe et de France et c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. C'est un peu un rêve parce que nous on est dans un big band depuis 3 ans et Quincy Jones c'est quand même un des très très grands, enfin c'est peut-être un des gens qui a vraiment créé le son qu'on aime bien dans le big band et de le voir en vrai, de se confronter en vrai à sa musique, c'est vraiment quelque chose de formidable. On est dans un petit village, voilà, avec des parents, des enfants qui ne connaissent pas non plus forcément, donc une bonne découverte. Je n'y connais rien du tout. Mon fils joue du saxo, mais pas là, je crois, ce soir. Mais j'aime bien la musique et puis j'aime bien ce côté convivial. Non, je trouve ça très intéressant, le concept. Je pense que dans chaque village, tout le monde fait pareil. Là, c'est l'école de musique du village. C'est très, très intéressant. Ça amène du monde. On est allé à Moidieu. On est allé à Pont-Évêque. Tout un petit programme comme ça, avec des groupes locaux à chaque fois. Et ça crée une bonne relation entre l'équipe locale et nous qui arrivons comme ça à faire découvrir notre musique que les gens ne connaissent pas. C'est calé, il y a une bonne ambiance et là il fait beau, donc on est au top, quoi. La musique qu'on fait, c'est on fait tous ensemble. Il n'y a pas que la chanteuse qui fait. En fait, on est tous les quatre, on est tous les cinq, on est dix. En fait, on a, je pense, la même importance. Donc, je préfère, voilà, que de donner, en fait, de garder ce côté de dialogue, communication sans arrêt sur scène. Trinidad, when dollar boy put by a juice banana pie.
roach, one bushel bread.